Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo sur Deadly Premonition. Donc déjà, alors là, on est coincé avec George, donc dans la voiture. Donc je pense que là, ça va être une épisode scénario, si je me souviens bien ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc on va tout de suite se diriger vers la série. Et déjà, je voudrais commencer par vous dire un truc. C'est je m'excuse d'avoir de faire si peu de vidéos parce que j'en fais que deux par semaine actuellement, mais c'est que d'une part je suis sur un peu chargé. Et d'autre part, on va dire que ce que je tourne ne marche pas forcément. Par exemple, j'ai commencé à essayer de tourner mon prochain let's play qui est, je vais pas vous le cacher plus longtemps puisque techniquement vous devriez déjà être au courant, qui est Hunting Ground. Et en plus, pour une fois, j'ai même pas dit Hunting Grounds. Hunting Ground, sauf que le jeu fait un tout petit peu de résistance. Et on va dire qu'en fait, il plante à chaque fois. À chaque fois, le jeu trouve le moyen de planter alors que au même endroit. Donc je cherche à débugger ça, sauf que ça marche pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est pour la semaine prochaine, je vais recommencer, je vais essayer de faire un peu de Nihilumbra. J'ai aussi essayé d'enregistrer, mais qui lui a tout totalement buggé. Tous les enregistrements ont buggé, je sais pas pourquoi, sont inutilisables. Et ce qui représente donc... les deux derniers niveaux plus la ville. Le début de la ville. Les deux derniers niveaux plus le début de la ville qui sont totalement inutilisables. Bref, ça représente quand même beaucoup d'épisodes. Donc je vais faire, je pense que ce que je vais faire en attendant de débugger Hunting Ground, je vais essayer de, je vais faire Nihilumbra deux vidéos par semaine, comme ça, ça fera normalement trois semaines, et puis après, bah, j'espère que Hunting Ground marchera correctement. Et sinon, je vais peut-être vous mettre aussi un truc, et puis sinon, en vidéo détente, je vais vous mettre un truc que j'avais tourné il y a un peu de temps. Blood of the Werewolf, je sais pas si vous connaissez. Mais j'avais tourné ça il y a quelques semaines parce que je pensais que Nihilumbra serait fini plus vite, donc j'avais commencé, sauf que lui ça s'enchaîne assez rapidement. Et puis bah par contre Nihilumbra lui s'enchaîne pas rapidement du tout. Oh, vive les imprévus, je suis désolé franchement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème aussi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y a d'autres problèmes, mais j'ai oublié lesquels. Attendez, je réfléchis. When I first joined the force, this lumber mill was still in full swing. It closed up right when I first moved here. And now it's totally abandoned. I presume so. I've never really been inside, so I don't know for sure, but it sure is run down. Deserted buildings are perfect for criminal hideouts and activities. I keep telling Harry to have the place torn down. Probably a little late for that. After all, it's already been used as the site of Anna's murder. We don't know that for sure yet, Agent Morgan. That's right, from your point of view. But the perpetrator selected the lumber mill. Agent York, you seem very confident about this. Confident? No. Confidence is a sweet spot between being rude and hopeless. I'm just drawing natural conclusions from the facts that we have seen. That sounds exactly like being full of confidence, at least to me. And to normal people with common sense. Common sense can be the opposite of fact sometimes. Bear that in mind. Oh, I will, Agent York. Thank you for another pearl of wisdom. Either way, we'll know for sure by simply going to the lumber mill. So keep your pearls of wisdom to yourself, and let's hurry. Well said, George. Can you step on it, Agent York? Ok, donc je disais quoi? J'ai totalement oublié, j'ai lancé la conversation et j'ai totalement oublié ce que j'étais en train de dire. C'est magnifique, je suis en étourdi. Donc, oui, je m'excuse. Ensuite, qu'est-ce que je disais? J'avais dit aussi qu'en début d'épisode, un jour, je vous mettrai le résumé qu'il y a en début d'épisode, quand on lance le chapitre. Sauf qu'en fait, le résumé, je l'ai regardé, il est tout pourri. Donc, je vais même pas prendre la peine. C'est le même résumé que celui que... C'est tout le temps le même résumé, en fait. Donc, il n'y a pas grand intérêt à le mettre. Oups.
C'est bien, par moment tu détruis un truc, t'as vandalisme, par d'autres moments tu détruis un autre truc, t'as un compliment. On va faire la sauvegarde, je pense. Je peux pas sauvegarder. C'est magique. D'accord. Donc là, j'ai pas intérêt à ce que le jeu plante. Donc j'ai intérêt à me dépêcher un peu. Bon, par contre, tout petit commentaire. Après, ça va être une appréciation tout à fait personnelle, donc vous la prenez comme vous le voulez. Mais là, passage d'histoire dans une série abandonnée, qui a l'air d'être un truc important pour le tueur et même dans l'histoire, enfin dans le truc du meurtre, vous le sentez venir le passage aux le passage monde alternatif? Parce que si vous le sentez pas venir, moi je le sens venir gros comme une baraque. I'm going in alone. You two stay here. I can't concentrate on profiling with other people around me. Now hold on a minute. We're investigating this case together. Listen, I can't risk the crime scene being compromised by you two. What are you saying? You're not the only professional law enforcement officer here, Agent Morgan. We know how to secure a crime scene. I'm sorry. That was rude of me. But this is how I operate. Furthermore... Yes? Furthermore what? To me, the outsider FBI agent, every citizen of this town is a suspect. You two could be in on this whole thing for all I know. I have to keep suspects out of the crime scene. How can you say oh, such a thing? Oh, le connard! Is he making fun of us? We should have left him behind and come c'est here by quoi, ourselves. Cette posture? You're right. I've never been so insulted. I'm sorry, but I'm just doing my job. Po, comment que ça trash? Donc, on entre dans la série tout seul. Vous le sentez venir, le passage monde alternatif? On est isolé dans la série. Ça semble quand même suspect. If they're pros, then we should let every first-person shooter gamer out there join the SWAT team. Youpi, vive les pouilles derrière Zach, nous. They're here. Vive les pouilles. On recharge notre arme pour commencer. Puis tant pis, on va y aller, hein. Ok. Tout gris, les murs sur le côté sont bien. Et il y a des monstres qui apparaissent du sol. C'est parfait! J'ai lu dans les commentaires que c'est les ennemis du jeu vous avez un peu choqué. Enfin, pas choqué, mais que certains les trouvent un peu terrifiants. C'est vrai qu'ils sont particuliers. Moi, ce que je leur reprocherais peut-être, c'est peut-être un petit manque de variété. Parce que... Oh, sans méchanceté, mais c'est vrai que... Bah, à la fin, quand on revoit le... Quand on revoit 100 fois le même ennemi, en fait... Enfin, pas 100 fois, mais vous voyez, quand on voit ce modèle-là, on l'a déjà vu, on en a déjà tué je sais pas combien... Celui avec les barres d'acier aussi, voilà, à la fin c'est pas pour dire, bah... Ça terrifie peut-être un peu moins que quand on les croise au début, parce que c'est vrai que les premières rencontres avec eux sont quand même assez du genre... c'est quoi ce truc? C'est les... au secours... Oui, ils me font un peu penser au Joker. Je sais pas. Dis bonjour. Je suis sûr que t'as envie de dire bonjour. C'est quoi ces petits mouvements de tête?
Tu bouges pas la tête et tu te laisses prendre ta balle. Merci. Même tarif pour toi et toi. Merci. Je sais pas, par moment mon personnage est coincé, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe avec mon perso. Si vous saviez comme je prie. Je suis absolument terrifié tellement j'ai peur que le jeu plante en fait. C'est ça le truc. J'aimerais trop qu'il y ait un point de sauvegarde dans le monde alternatif, comme il y avait à l'hôpital. Ils vont bien être gentils et me les faire ça, non? Je suis sûr qu'ils en meurent d'envie. C'est moi ou on vient de croiser le tueur? Enfin, pas le tueur, mais le mec à la hache, que je soupçonne fortement d'être le tueur. Just as I thought, Zack. This is where Anna was killed. Eh, hey, rien de tel qu'on est entouré d'ennemis qui veulent nous notre mort que de se fumer une petite clope. Okay, je pense que ce profilage a l'air de nous en prendre pas mal sur le déroulement du meurtre. Pourrait être intéressant. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. 3 pièces du puzzle, je parie même. 4. Ah, c'est juste pour me donner tort à vous, connard. Saleté de jeu. Mais dans les outils, toi. Je t'aime pas. De toute façon, pour le moment, le flingue me suffit largement. Observez. C'est quoi ce truc, Zack, it's almost like an altar. Was the murder some kind of ritual? Là, cette porte-là est fermée. En bas, qu'est-ce qu'il y a? On va d'abord aller ici. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des trucs à ramasser. Génial. Youpi. Bon, bah allez, on va décrocher de toute façon. Comme si on avait le choix. Where are you hiding? Youpi. Allez, on lance, on va voir la progression du profilage. J'aime me faire attacher.
Mais au fait, j'y pense. Dans le premier monde de l'Otherworld, quand on croisait le... Quand on croisait le tueur, on y avait payé un passage de QT, on avait failli se faire tuer par le tueur. Oh non... Ça se trouve, il va y avoir la même. Bon, on prend le saumon fumé. Du saumon fumé qui traîne dans une scierie depuis des mois, depuis on sait pas combien de temps. Oui, il va y avoir de risque. Ah, par contre, ça c'est cool. On va pouvoir se... On va pouvoir se changer. On va faire ça, tiens. On va prendre soin de nous parce que c'est vrai que je sais pas... Là, on a presque fini la journée, donc je sais pas combien de temps ça fait. Donc c'est vrai qu'il va peut-être y avoir ça, donc on va faire ça, on va se raser, dormir et puis essayer de faire un petit peu de trucs. Notre barre de faim, elle est comment? Comment est notre barre de faim? Notre barre de faim va à peu près correctement. Ça, sucette, pouf, hop. De toute façon, on va pouvoir dormir, le temps ça tient pas lieu dans ce lieu, ici normalement. Ça a l'air de commencer à salir. Bon, par contre, le voilà. Après, on va dormir 3 petites heures. Dormir légèrement, ça devrait remonter un peu la jauge de sommeil. Voilà, la barre de faim a diminué, mais pour ça, on va manger. On a à manger. Hop, manger. On va prendre des biscuits beurrés. Voilà. Hop, c'est bon, avec ça, notre perso, il est armé pour tenir. Non. On rentre. Et vous la connaissez, ça va être la petite ellipse de la sauvegarde du bonheur. Allez, à tout de suite. Je sauvegarde et puis je vous laisse vite fait le temps de sauvegarder. Oui, je veux sauvegarder. Rapport quotidien, plus 20. Et à tout de suite. Et re tout le monde, allez. Donc, je vous ai laissé le temps de sauvegarder, donc on sort. Tu pourrais me laisser passer 5 secondes? Merci. On va essayer de faire un peu de ménage dans la place. Wow! Toi, tu te calmes. Deux médailles rouges qui traînent ici, on ramasse. Après tout, on ne crache pas dessus. L'argent. Tuyau d'acier, c'est pas super intéressant, franchement. Vous l'avez senti venir, vous, le coup? Le petit coup gratuit qui fait toujours plaisir. Ah, le bruit, ça veut dire qu'il a lâché quelque chose, une barre. On ramasse. Allez, on va ramasser, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, on ramasse. Pof! Alors, on est reparti pour plus de bonheur et plus de... Je sais pas où aller. Hop. Ah, cette porte était fermée, d'accord. Donc ça doit être effectivement le truc en engine room, c'est bien salle des machines comme je le pensais au départ. Bon, on est reparti. J'espère juste qu'il y a personne qui m'attend en bas, il y a personne qui m'attend en bas. Coucou.
T'as l'air complètement rouillé. Faudra cogner pour que ça bouge, tu vends un outil à utiliser. Je sais pas, on va utiliser une arme de corps à corps. Voilà. Ok. Puff, on rééquipe le flingue. Hop. La 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 la. C'est vrai que la clé a une durée infinie. Faudrait peut-être y penser. Je sais pas. Est-ce que ce serait intéressant d'utiliser la clé à molette, la porter? En fait, c'est moi, c'est ce qui, je pense que la clé à molette pourrait être intéressante. Le truc qui me fait peur, c'est la porter! Coucou! Je sais, t'es en manque d'affection. Mais, c'est pas une raison, tu sais que sauter à la tête des gens comme ça, ça fait peur. D'accord. D'accord. Coucou. Coucou. J'aime pas leur téléportation, elle est chiante. Ouf. On passe ici. D'accord, d'accord, d'accord. Un long couloir. Ça va, c'est quand même assez linéaire par rapport à... Enfin, maintenant, par rapport à l'hôpital, je n'ai rien dit. Même l'hôpital était quand même assez linéaire dans l'ensemble. Bon, d'accord, on va mettre fin à ça. Dégage. Merci. Je crois entendre des pleurs de bébé. Pourquoi j'entends des pleurs de bébé? Les pleurs de bébé me stressent. Il y a un truc à aller ramasser là-bas. Il y a bien des pleurs de bébé, je suis pas fou. On va mettre le club de golf en boîte à outils. Ça sera toujours utile si jamais il se passe un truc. Pof, pof, pof. Au secours. Non. Oui, bonjour. Oui. Fail. Toi, dis bonjour. Pof! Putain, la balle à la tête qui les tue. Pue! Merci. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Non, t'as pas envie. Ah, ce serait bien qu'on puisse les foutre au tapis. Allez, merci. Je le savais que t'avais qu'une envie, c'était de me laisser passer. Salut. Attends, j'ai cru voir du mouvement derrière moi.
Merci. Grimper, où on peut foutre ça? Il y a une médaille ici, on va d'abord passer par ici. Des gravats infranchissables, on doit trouver un autre accès. Par contre, j'entends plus le bébé. Je viens d'y penser d'ailleurs, c'est vrai que l'ambiance était plus calme sans cri de bébé dans le coin. Salut! Fioup. Ah, j'ai rien dit en fait, on le réentend. Laisse-moi passer, merci. Bon, encore des gravats infranchissables, en fait ça servait à rien. On met la barre dans la boîte à outils, d'accord, après tout, pourquoi pas. Bon, d'accord. Vive les bugs de collision. La 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 la. C'est bon. Toutes ces taches noires ne me disent rien qui vaille. On va tirer sur les caisses déjà histoire de se dégager le passage. Au cas où il y aurait besoin de revenir ici en vitesse, parce que ça se trouve il va y avoir spawn d'ennemis infinis. Donc ensuite on recharge son arme. Puf 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 puf. Vous le sentez le spawn d'ennemis dans mon dos? Dès que je vais ouvrir cette armoire rouge, il va y avoir un objet clé dedans et plein d'ennemis qui vont me popper dans la gueule. Ah, ah ben encore mieux. Ennemis dans ma gueule et... C'est bon, c'est fini, t'es heureux. Merci. Alors, on retourne ici. Et là-bas, ça s'ouvre. Chante, tu vois pas l'ennemi, caméra! Je te revivrai! Oui! C'est bon, dégage! Laisse passer ta copine. Rien d'intéressant ici, selon moi. Boîte à outils. Pof, ça peut toujours être utile, un stabilisateur. Rien d'intéressant ici, selon moi.
un intéressant ici, selon moi. D'accord. Donc, on se casse. Pourquoi il n'y a pas d'ennemis qui... j'aime pas ça, mais j'aime pas ça. Bah, je t'ai pas déjà tué, toi? Je t'ai déjà tué, c'est bien ce que je disais, toi, c'est bien toi que j'ai tué. Je l'ai vu se tenir debout, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'en a un autre que j'ai tué. Bah non, c'était bien lui. Allez, on retire la chasse, pouf pouf pouf. Y'a rien ici. Ok. Et ici, je suis sûr qu'il y a un ennemi. Fusée de détresse. On va prendre sur nous ça, la fusée de détresse. Ça peut toujours être pratique en cas de besoin. Même si maintenant on a mieux que la fusée de détresse, on a la radio de George. Parce que George, même si on le traite comme un chien, il est gentil et il pense d'abord à son devoir avant tout. Mais on le traite quand même comme un chien, on le prend pour un con. On va prendre le café. 35 minutes d'épisode déjà. Magnifique. D'accord. Je veux passer. Laissez-moi passer. Non, pas envie. Laissez-moi passer. Merci. Pouf, on continue d'avancer. What the fuck? Bonjour les gars. Non, c'est une blague. Quand même pas, ils ont pas été assez cons pour se planter sur ça. Ils ont pas été foutus de faire en sorte que les ennemis rentrent dans l'ascenseur. Je pense que ça aurait été plus efficace de faire ça pendant que les ennemis étaient encore en vie. Hop, on met le moteur d'ascenseur ici, puis après on ira d'abord explorer sur la droite avant de... Pardon ? Je me suis cogné au baril ! Qu'est-ce qu'il y a par ici ? D'accord. Oui, oui, je suis un peu con, je sais. Non, mais... C'est bon. Faut pas exagérer non plus. Je sais... Quand même, tirer sur des barils explosifs d'aussi près, c'est un peu con. Mais après, quand même, faut pas non plus abuser. Oh!
Huh? What the... c'est moi, il met ma main dans le mur. J'aime pas ce bruit. Ça fait glu 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 glu... Glu? Cheveux roux abîmés. Cheveux roux? Cheveux roux. La grosse. Si toi aussi tu n'as rien compris à ce qui vient de se passer, tapez 1 dans les commentaires. Bah ça va, c'est pas non plus obligé de mettre une musique. Deux ennemis dans un espace aussi confiné, c'est bon, j'ai déjà vu pire. C'est pas non plus la peine d'insister trop dessus. En plus, ils sont pas très finaux. Donc... Ah tiens, un téléphone, et bah vous savez quoi? Je vais être salaud. Par contre, c'est pas pour dire, mais ce Dream World, il est super long par rapport à l'autre. Je sais pas, ça va faire 40 minutes que j'y suis, et là j'en vois toujours pas le bout. J'en suis à deux éléments de profilage sur 4. Donc ce que je veux faire, vous savez quoi? Je vais être méchant, je vais être bête, je vais être idiot. Je vais faire une petite coupure ici. Une coupure de... mais même pas une coupure de... de sauvegarde. Je vais faire une coupure, je vais faire... comme ça fera un petit épisode de 40 minutes. Je suis... désolé. Mais c'est parce qu'en fait, j'en suis à 2 sur 4. Si les deux, je mets autant de temps à les avoir, ça va faire un épisode d'une heure et demie. Et c'est pas gérable. Donc, je sauvegarde. Et puis je vais faire un nouvel épisode, donc du coup, bah, tout de suite. Moi, je vais enchaîner le Dream World. On va sauvegarder. Et puis comme ça, bah, en espérant que cet épisode vous aura plu, donc. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Deadly Premonition. J'avais oublié le nom. Bah, allez, à plus tout le monde. Bye.